Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 21 avril 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Rendez-vous ce soir, donc, l'Association culturelle arménienne, donc à Bourg-les-Valence, salle Chenevier de la MJC Jean Moulin. Un débat table ronde ce soir, donc à 20h30, sur le génocide. Est-ce qu'un nouveau génocide peut-il se reproduire? Point d'interrogation. Je vous donnerai donc demain le détail des programmes de la commémoration du 108e anniversaire du génocide des Arméniens à Valence, à Privas, dans la région. Donc demain, vous aurez les horaires à partir de dimanche. Hein, ça commence par la veillée déjà. Voilà. Donc juste l'information. Donc on l'a eu hier. Donc c'est l'UGAP de Valence avec le Centre du patrimoine arménien qui au navire, au cinéma le navire à Valence. Ça sera le jeudi 11 mai, on a encore du temps, à 20h30, qui va projeter un débat, un film documentaire, Invisible République, voilà, donc de Garin Hovhannessian sans doute, voilà. On aura l'occasion d'en parler, on interviendra avec Kevin Markarian, le président, Noubar Kechichian, président des Amis du CPA, et moi-même en tant que journaliste, après le film, donc voilà, documentaire, entrée, tarif unique de 5 euros, donc c'est une modique somme, voilà, donc pour participation aux frais. Donc ça sera au cinéma Le Navire à Valence, le jeudi 11 mai à 20h30. Voilà, mais au niveau des annonces locales. Passons aux infos de l'Arménie. Hier, des tirs sur des civils arméniens, encore une nouvelle fois, effectuant des travaux agricoles près d'Askeran. Bon, les forces de russes de paix ont eu le signalement de cela. Et l'Azerbaïdjan dément des rumeurs de mobilisation sur la mobilisation sur les réseaux sociaux azéris. Beaucoup parlaient d'une mobilisation générale des réservistes, hein, voilà, azéris, pour la préparation d'une future guerre sans doute. Bakou a démenti donc cela en disant que ça fait partie des process habituels. L'Arménie fait aussi pareil, hein, donc, voilà, donc ne nous affolons pas, dit donc voilà le Bakou officiel. Mais après, tout peut se préparer. Frontière arménienne, donc 1,4 km de section problématique des 5 km de la frontière près du village de Terre qui a été attaqué le 11 avril par les Azéris. Donc 1,4 km des 5 ont été réglés, affirme Nicole Pachignan, avec les gardes frontières arméniens d'un côté et les gardes frontières azéris de l'autre, sur 1,4 km, donc près de Terre, du village de Terre dans le Sunik. Un accord a été conclu entre Arméniens et Azéris. Il reste, vous allez me dire, le reste, hein, il reste 3,6 encore problématiques qui vont être vues de près des deux côtés pour faire un tracé frontalier entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà. Pourtant, Nicole Pachignan a affirmé que le but des actions provocatrices de l'Azerbaïdjan est de conduire un processus, donc les processus à l'escalade de la situation. Donc voilà, les provocations azéries, les tirs, hein, sur des paysans arméniens ou des autant en Artsakh qu'en Arménie, c'est de la provocation pour pas que la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan aboutisse, puisque l'Azerbaïdjan veut conquérir, comme vous le savez, hein, donc l'Arménie, le sud de l'Arménie, la partie orientale de l'Arménie, et est prête à tout pour grignoter ce territoire arménien souverain pourtant. Hein, voilà, donc mais le monde ne réagit pas trop. Les Azéris qui ont perdu un satellite, donc ils avaient trois satellites, donc Azerski a été, donc ne donne plus de signes, donc voilà, donc il devait être déprogrammé déjà l'an prochain, mais bon, il aura quand même coûté 45 millions de manates, c'est-à-dire 26,5 millions de dollars, une petite somme pour l'Azerbaïdjan, donc monarchie pétrolière, hein, voilà, dictature pétrolière. Les Azéris qui ont encore deux autres satellites, hein, d'observation, donc Azerspace 1 et Azerspace 2. Je crois que la France y est pour quelque chose, pour la mise en orbite, notamment Toulouse. Hein, donc voilà, pour justement mettre en ligne ces satellites d'observation, qui sont aussi des satellites d'espions, hein, aussi, voilà, de l'Azerbaïdjan. La nouvelle route menant donc à l'Artsakh, via Gornitzor, depuis l'Arménie, sera prête fin mai. Donc c'est la fameuse nouvelle route qui était la route parallèle au corridor de la Chine que l'Arménie devait réaliser. Donc ça sera prêt dans un mois, donc fin mai. C'est ce qu'a affirmé
Gnel Sanossian, le ministre arménien des territoires. Voilà, donc en espérant que cette route ne soit pas, une fois ouverte, ne soit pas bloquée une nouvelle fois par les forces azéries. Mais là, je crois que les troupes russes doivent logiquement venir, hein. Donc voilà, il y a eu un accord verbal ou je ne sais pas, donc on n'a pas eu de document qui a été signé pour que les Russes protègent donc cette section, cette nouvelle route fin mai, avec l'espoir que les 120 000 Arméniens de la Tsar bloqués donc depuis le blocus du corridor de la Chine, ces 120 000 Arméniens de la Tsar aient un lien avec l'extérieur par l'Arménie en fait, hein, par cette nouvelle route. Donc fin mai, on attendra avec impatience. Voilà. Hier soir, les forces azéries ont ouvert le feu en direction de Verin Shoja, donc dans la région de Kher al-Kounik, donc à l'est du lac Sevan. Hein, voilà. Ça a duré longtemps, mais vers 21h ou 22h, c'était calmé. Donc toute l'après-midi, il y a eu des tirs réguliers d'armes de divers calibres. La Turquie, une nouvelle fois le génocide, 108e anniversaire du génocide. Donc à Istanbul, le gouverneur d'Istanbul a interdit la cérémonie de commémoration du génocide des Arméniens. Chaque année, les Arméniens tenaient une cérémonie, mais depuis déjà 2-3 ans, c'était interdit donc par la Turquie. Donc pacifiquement, donc sur les rives du Bosphore, les Arméniens faisaient une manif. Et là, c'était, je crois, Taksim, place Taksim. C'est Kadıköy, à Kadıköy. Donc la mémoire des victimes du génocide arménien de 1915 ne sera pas commémorée. Donc le préfet, le gouverneur d'Istanbul l'a interdit, voilà. Alors, après l'agression de l'Azerbaïdjan dans le village de Ter, donc on en a parlé tout à l'heure, l'Union européenne a enregistré la violation de la frontière de l'État de l'Arménie, indique Nicole Pachignan. Donc en affirmant, donc l'Union européenne a dit, on respecte les frontières de 1991, les frontières de l'ex-Arménie soviétique qui est devenue indépendante, donc les 29 800 km², donc voilà. Donc Nicole Pachignan a affirmé que l'Union européenne a reconnu l'agression de l'Arménie par un État, par l'Azerbaïdjan, voilà. Mais bon, on peut interpréter aussi de diverses façons, hein, donc, mais voilà, il répondait aux journalistes qui a affirmé que l'Union européenne ne bouge pas. Le pont de Marghara, c'est les crimes qui ont été commis par les Azéris dans un village en Azerbaïdjan en 92, voilà. Là, on parle du pont de Marghara, donc en Arménie, dans la partie entre la frontière arméno-turque. Ce pont se trouve dans un bon état et est prêt à fonctionner, selon le même ministre que tout à l'heure j'ai cité, le ministre des Territoires, Gnel Sanossian. Par contre, ce pont est à sens unique, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule voie, pardon. Donc du coup, quand il y a des trafics des deux côtés, il faut attendre la fin que les véhicules finissent donc leur trajet sur ce pont pour entamer de nouveaux trajets dans l'autre sens. Par contre, Gnel Sanossian, il dit s'il y a augmentation du trafic, pourquoi pas passer à deux voies donc ce pont, voilà, donc à voir. La Turquie a perdu la bataille concernant le génocide arménien il y a longtemps, affirme le politologue turc Cengiz Aktar. Cengiz Aktar, qu'on connaît, hein, c'est un politologue, c'est un philosophe, il connaît très très bien la question arménienne. Il collaborait à GOS, hein, donc le journal arménien de Ramdin, dont il était un des amis fidèles. Ce turc Cengiz Aktar, qu'on a rencontré plusieurs fois nous à Marseille, hein, donc voilà, il affirme que la Turquie a perdu la bataille concernant le génocide des Arméniens. Et aujourd'hui, tous les artifices, en fait, les Turcs se réunissent entre eux pour dire qu'il n'y a pas eu de génocide, tout ça. Mais selon cet intellectuel turc, la Turquie, de toute façon, le monde a reconnu le génocide. Donc, en fait, si les Turcs ne reconnaissent pas, c'est entre eux, ils se font plaisir. Ils sont assis, parlent entre eux, s'applaudissent, se disent bravo dans de tels rassemblements. D'une manière, c'est parce qu'il y avait un rassemblement à l'université turque, donc concernant le déni, le génocide, le prétendu génocide, hein, comme ils appellent. Mais Cengiz Aktar, il dit qu'ils sont entre eux, les Turcs. Personne ne les écoute, en fait. Eux, ils se font plaisir. Mais en tout cas, le monde a reconnu l'existence du génocide des Arméniens et que les Turcs peuvent ne pas reconnaître. Entre eux, ils peuvent se satisfaire, s'applaudir et se faire beaucoup, beaucoup de courbettes pour dire que oui, on a gagné et que le génocide n'a pas eu lieu. Mais en tout cas, tout ça, c'est un vase clos. Uniquement, ça concerne la Turquie, parce qu'en dehors de la Turquie,
le monde a reconnu le génocide arménien. C'est ce qu'affirme Chengiz Aktar, qui est aussi aujourd'hui une autorité, hein, voilà, tout simplement. Que dire d'autre? Alors, en information, oui, l'Inde, l'Arménie et l'Iran, donc les vice-ministres des Affaires étrangères se sont réunis, en fait, hein, donc voilà. Il crée des liens entre ces trois pays, donc l'Inde, l'Iran et l'Arménie. Et je pense qu'ils discutent plus que de l'économie, hein, ils discutent de stratégie, voilà, peut-être aussi un nouvel axe, donc Yerevan, Téhéran et New Delhi. Voilà. Et on sait que l'Inde, opposée au Pakistan, qui s'est engagée derrière l'Azerbaïdjan, est un ami de l'Arménie, puisque c'est l'ennemi de nos ennemis. Voilà. Et puis l'Inde a toujours été proche des Arméniens, il faut quand même le dire. Et l'Iran, vous le savez, malgré cette république islamique, donc l'Iran a de très bonnes relations avec l'Arménie, voilà, prouvant que c'est au-delà de la religion. Donc en fait, les intérêts économiques, les intérêts culturels entre des nations perdurent au-delà des religions, et c'est un bon signe. Hein, donc voilà. Et puis, finissons, mes amis, par le sport, bien sûr. Anthony Karapetian, vice-champion d'Europe d'haltérophilie à Erevan. Donc, Anthony Karapetian, qui a fait plaisir à tous ses fans. Il n'était pas loin d'avoir le titre européen, mais il est vice-champion d'Europe des 89 kilos d'haltérophilie, voilà, devant son public à Erevan, un public qui a exulté. Et ce Anthony Karapetian, qui avait été blessé, lourdement blessé, il revient en compétition, il mérite beaucoup. Hein. Donc voilà, c'est un haltérophile talentueux. Et puis une autre arménienne, en fait, Tatev Hagopian, en Arménie, donc toujours à Erevan, lors des championnats d'Europe d'haltérophilie, qui se poursuivent encore, hein, jusqu'au 23, jusqu'à dimanche. Elle est devenue Tatev Hagopian est vice-championne d'Europe également, voilà, donc d'haltérophilie, voilà. A remarqué dans cette épreuve des femmes, en fait, des 76 kilos, une arménienne de 16 ans, Emma Porosyan. Il faut en parler parce que je pense que c'est une future star de l'haltérophilie arménienne, Emma est mondiale même. Emma Porosyan, à 16 ans, a enregistré 217 kilos au total. Elle a pris la 5e place, mais elle n'a que 16 ans. Voilà, et c'est vraiment Garen Giloyan, le vice-ministre des sports, l'a embrassé. Beaucoup l'ont embrassé, même la vice-championne d'Europe, donc Tatev Hagopian. Cette fille, en fait, de 16 ans, Emma Porosyan, promet vraiment des merveilles dans le monde de l'haltérophilie féminin. Voilà, on attendra les années pour la voir éclore, pour voir les couleurs de l'Arménie portées au plus haut. C'est tout ce qu'on désire, mes amis. Voilà, mais écoutez, je donne rendez-vous à nos amis de Bourg-l'Évènement ce soir à 20h30 à la table ronde d'Arménia sur le génocide. Est-ce qu'il peut se reproduire? La question, vous la connaissez, on ne va pas la refaire, mais l'idée, c'est de recheminer, de donner des arguments, de voir les éléments de la Turquie et de l'Azerbaïdjan qui sont prêts par désir d'union pan-touranien, d'éliminer l'Arménie et les Arméniens, tant en Artsakh qu'en Arménie, sur la carte de leur territoire, qui passe par le territoire arménien, qui passe par le peuple autochtone. Voilà, on en a parlé hier soir dans le débat de l'Arménie occidentale avec Amena Kapramian, peuple autochtone, peuple vraiment de cette terre, en fait, hein, voilà, les Arméniens, qui peuvent être éliminés par l'élément l'invasion qui est venue de l'extérieur, l'invasion turque, qui aujourd'hui vise le sud de l'Arménie, qui vise l'Arménie tout simplement. Hein, voilà. Prions que la paix vienne et que les éléments se réunissent pour les Arméniens, qui puissent avoir une lueur d'espoir dans cette marée difficile, depuis la guerre Russie-Ukraine, en fait, hein, voilà, depuis l'agression de l'Ukraine par la Russie, à cause du Donbass, il faut aussi le dire, les Russes avaient quelques éléments, mais en fait, ils ont quand même agressé l'Ukraine. Et depuis, le monde se bascule tout simplement. Et l'Arménie en particulier fait les frais de cette guerre. En fait, une guerre extérieure est aujourd'hui impliquée dans la politique arménienne, en Arménie même, comme lors du génocide, en fait. Hein, voilà, la guerre de 1914-18 a visé avant tout les Arméniens, parmi d'autres peuples, hein, les Arméniens qui ont subi le génocide à cause de cette guerre. Aujourd'hui, cette guerre Russie-Turquie, ça sera après Russie-Ukraine, donc fait que l'Arménie est très très mal en point, tout simplement. On n'est pas défendu par son protecteur, et l'Arménie qui cherche un protecteur qui peut s'avérer, voilà, mais voilà, les conditions sont quand même difficiles. Voilà, mes amis, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.